La miséricorde est un amour qui sait accueillir chaque personne. Être miséricordieux, vivre notre vie dans l'amour, accueillir l'étranger, assister les malades, visiter les prisonniers, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, respecter la personne humaine, de ne pas juger. Si on préfère un cœur plein d'amour, soyez miséricordieux. La miséricorde rend le cœur plus grand, contrairement à la colère qui rend le cœur tout petit, dur comme une pierre. La miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, mais bien l'expression de la toute-puissance de Dieu. L'argent ne donne pas le vrai bonheur, mais la miséricorde. L'argent ne donne pas la vraie joie, mais la miséricorde. L'argent ne donne pas la vraie paix, mais la miséricorde. La miséricorde de Dieu est le modèle de la véritable perfection. La miséricorde est capable de transformer le mal qui réside à l'intérieur de l'être humain en bien. La récompense de la miséricorde n'est pas seulement terrestre, mais aussi céleste. Si la miséricorde ne se trouve pas dans le cœur humain, la foi va se disparaître. Si on pratique la miséricorde, on s'approche de Dieu. La miséricorde peut se traduire par juste un sourire ou par un mot pour consoler un blessé. Pour être miséricordieux, il faut d'abord ressentir la compassion de Dieu dans nos cœurs. La miséricorde doit être continuelle et avec joie. Au soir de notre vie, on sera jugé sur la miséricorde. La miséricorde de Dieu est loin d'être limitée.